Durant toute l'histoire de l'humanité, la nature a toujours représenté la seule source de nourriture. Depuis des milliers d'années, notre pouvoir d'adaptation nous a permis de survivre en utilisant ses richesses. L'agriculture, les moissons, le commerce aussi nous ont fourni de vastes quantités de nourriture diverses. Mais à l'aube du XXIe siècle, est-ce que tout ceci ne va pas changer? N'allons-nous pas devoir remplacer notre alimentation traditionnelle par des aliments artificiels? Des aliments produits en usine, distribués par des machines, et dont le but premier sera seulement d'entretenir nos forces vitales. Voici l'histoire de la nourriture moderne, comment elle est conçue, distribuée et consommée. Au Japon, des machines disposées un peu partout préfigurent ce que pourrait être l'alimentation moderne. Il y a plus de 4 millions de ces machines dans ce pays, réduisant une des cuisines les plus sophistiquées au monde à de petites boîtes carrées. De la nourriture robotisée pour un monde robotisé. À la réflexion, si on n'a pas la monnaie, on pourrait parfaitement mourir de faim devant ces machines. Mais en fait, vendre de la nourriture par machine interposée n'est pas une idée si récente. Voici le premier distributeur automatique jamais inventé. Cet appareil se trouve au Japon, mais il fut inventé par un Grec en 215 avant Jésus-Christ. Pour quelques drachmes, la machine distribuait de l'eau dans un temple de la Grèce antique. Dans le domaine de la distribution des aliments, l'évolution aura été constante. Dès 1930, les Américains avaient installé des restaurants où tout était automatisé. Les plats étaient cuits et servis par des machines. On les appelait « automates ». Et pour une nation toujours en train de bouger, ne voulant ni passer trop de temps à cuisiner, ni trop de temps autour d'une table, ils étaient idéaux. C'est à New York que l'on trouve le dernier des automates américains. Durant les années 40 et 50, ce type de machine distribuait de la nourriture jour et nuit. Pas de personnel, des plats chauds ou froids selon votre choix. Le système fonctionnait d'une manière très simple. Tout ce qu'il fallait, c'était de choisir le menu qui vous plaisait. Glissez l'argent correspondant dans la fente, tournez le bouton et votre plat vous arrivait. Mais ce n'était pas vraiment un restaurant automatique. Car si vous regardiez à travers la vitre, vous pouviez voir une cuisine où des employés s'activaient et remplissaient les casiers avec les plats sélectionnés par les clients. À partir des années 50, un phénomène de civilisation allait bouleverser l'alimentation de la planète. Le hamburger, produit à la chaîne, totalement identique aux autres, sans complications, simple à l'extrême, envahissait nos existences. Les Américains avaient enfin une cuisine nationale qui leur appartenait en propre. Avec le développement de l'automobile aux USA dans les années 50 et 60, la restauration rapide fait un énorme bond en avant. Un hamburger et des frites consommés rapidement dans un restaurant en bord de route devient le symbole d'un pays en continuel mouvement. Pour une génération de jeunes mères, c'est une libération par rapport aux tâches ménagères. La restauration rapide devient le complément de toute sortie familiale en voiture. Quel que soit votre âge, votre race ou votre couleur de jeans, si vous vivez aux USA, voilà votre nourriture de référence. Un burger, un Coke et des frites. La règle d'honneur des grands groupes de restauration rapide est que l'on puisse trouver exactement la même nourriture dans chacun de leurs restaurants, que ce soit à Tombouctou, à Bordeaux
ou à Los Angeles. Service consommateur Burger King, je m'appelle Fran, à votre service. Merci d'appeler notre service consommateur, je m'appelle Teresa. Des opératrices téléphoniques recueillent toutes les réclamations. Elle a été grossière avec un consommateur. La majorité de nos clients demandent du Pepsi plutôt que du Coca, mais vous, vous préférez le Coca. Et toute variation des normes de qualité est prise très au sérieux. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ils étaient froids? Ils étaient rassis? Oh, mon Dieu! La restauration rapide est devenue un énorme secteur économique au plan mondial. Il y a plus de 2400 restaurants à l'enseigne des deux géants du secteur, Burger King et McDonald's. Leur chiffre d'affaires annuel dépasse les 1800 milliards de francs. Au siège de la société Burger King, on trouve un compteur qui affiche combien de Whoppers sont vendus à chaque instant dans le monde. Burger King estime qu'il en est vendu 3000 chaque minute. Cela fait 4 millions de Whoppers consommés chaque jour à travers la planète. Quelle que soit leur valeur nutritionnelle, les fast-foods sont devenus prédominants car ils véhiculent une image à très forte valeur culturelle. Lorsque vous achetez un hamburger, vous achetez aussi un peu du style de vie américain. Blue jeans, rock'n'roll, Hollywood et voitures américaines. Lorsque ces géants du fast-food décidèrent de conquérir le monde, les cuisines locales traditionnelles furent toutes plus ou moins malmenées par la vague du hamburger. À l'heure actuelle, nous vivons tous plus ou moins sous sa bannière unificatrice. Tout changement est interprété comme une intrusion. Mais quand le client voit le soin que nous mettons à leur servir un bon repas chaud, le plus vite possible, non seulement il apprend à nous apprécier, mais aussi à nous aimer. Les multinationales de l'alimentaire nous nourrissent d'aliments de plus en plus standardisés. Les animaux eux-mêmes sont affectés par cette standardisation. Depuis 7000 ans que les animaux sont domestiqués, les fermiers et les éleveurs ont toujours utilisé leur savoir-faire et leur coup d'œil pour produire de meilleures bêtes et de meilleures viandes. Mais dans cet élevage de porcs du sud de l'Angleterre, ce sont les scientifiques qui s'occupent de cette tâche. D'abord, pour trouver un bon cochon, on prélève un poil et on fait une analyse génétique. Ainsi, on connaîtra la qualité de la bête. Puis, quand on a la qualité, on cherche la quantité. Là, il faut trouver une truie qui peut produire le maximum de porcelets. Cette truie Meishan vient du nord de la Chine. Ce n'est sans doute pas le plus bel animal du monde, mais d'un point de vue génétique, elle est idéale. Si elle arrive à convaincre un mâle de la couvrir, elle aura une portée bien supérieure à celle des truies de nos contrées. Et voici le résultat. Une truie dont la mère est chinoise et le père anglais. Elle vient de mettre bas 14 porcelets de première qualité. Mais les scientifiques peuvent aller encore plus loin, puisqu'ils peuvent génétiquement améliorer le moral du cochon. Les gens souffrent du stress, mais les animaux aussi. Cela fait longtemps que les éleveurs savent qu'un animal stressé produit de la viande de mauvaise qualité. Les scientifiques ont réussi à isoler le gène qui contrôle le stress chez le cochon. Et avec l'élevage sélectif, ils ont réussi à produire un cochon très détendu et un meilleur jambon. On estime qu'il y a environ 15 millions de ces super cochons britanniques élevés dans des fermes partout dans le monde. Mais il faut s'assurer que la viande sera de la meilleure qualité possible. Et pour ce faire, on utilise des ultrasons comme pour les fœtus humains dans le ventre des mamans.
Cette partie sombre en haut de l'écran est peut-être la meilleure côtelette de porc au monde. La recherche génétique en milieu animal a parfois des résultats catastrophiques. Mais ces super cochons sont une parfaite réussite. Ils préfigurent sans doute ce que sera le modèle unique de porc le siècle prochain. La recherche génétique met toute une gamme de techniques scientifiques à disposition. Les progrès dans le domaine agroalimentaire sont considérables. À l'Institut international de recherche du riz aux Philippines, la sélection ne s'opère pas seulement à partir de la nature. Ici, on essaie aussi de la modifier. La nature produit plus de 100 000 variétés de riz, et ici on dispose de la plupart d'entre elles. Sélectionnées pour leur qualité génétique, ces plants sont entreposés dans une chambre froide à l'épreuve des tremblements de terre. On pourrait penser qu'un tel soin soit une garantie pour l'humanité. Les scientifiques ne le pensent pas. Car pour eux, la variété de riz la plus vitale pour l'humanité ne sera pas le produit de la nature, mais de la science. Et tous leurs travaux vont dans ce sens. Si nous ne trouvons pas de solution, il y aura des ruptures dans l'alimentation. Il y aura des famines et beaucoup de problèmes. Car la stabilité dans cette partie du monde dépend du riz. Et s'il n'y en a pas assez, on aura des tas de problèmes. La nature, pense-t-il, a besoin d'être améliorée. Ils ont donc entrepris des recherches pour développer le riz du futur, celui qui permettra de nourrir les populations des siècles à venir. C'est une opération délicate. D'abord, on sélectionne la meilleure espèce de riz. On découpe de fines lamelles et on extrait l'embryon. Puis on sélectionne l'ADN en provenance de la variété de riz la plus résistante aux parasites. On place le tout dans un four à haute pression. Et ensuite, vous bombardez l'ADN de l'un dans l'embryon de l'autre. Voici le résultat d'une de ces manipulations. Une nouvelle race de riz très productive et très résistante aux parasites. Le riz du 21e siècle. L'emprise grandissante de la science et de la technologie sur notre alimentation donne l'impression que nous nous dirigeons vers un monde de nourritures artificielles. Voici la compagnie Pfizer dans le Connecticut. Ici, on développe de curieux et étranges mélanges totalement artificiels. Ces préparations alimentaires, sans sucre, sans matière grasse, presque sans aliments, sont développées en laboratoire et fabriquées par des machines. Aujourd'hui, les spécialistes du laboratoire font des tests sur un nouveau type de glace à la fraise et ils ont un sérieux problème à résoudre. Pour pouvoir figurer dans le marché très porteur de la glace, il faut que le produit soit sans matière grasse. Mais si on enlève toutes les matières grasses qui s'y trouvent naturellement, on enlève aussi tout goût à la glace. C'est tout à fait le genre de problème que ces spécialistes de l'alimentation adorent, car ils ont la réponse. D'abord, vous ajoutez certains éléments chimiques qui vous permettront de redonner à votre produit toute la texture, tout le velouté, tout le goût d'une vraie glace. Ils vous feront même croire que ce que vous mangez est bien de la glace. Deux composants chimiques pour la pâte, un pour la couleur, et ça y est, vous avez votre confiserie.
Cette formule magique vous permettra de produire aussi des pâtes de fruits au kilomètre, totalement artificielles, mais sans matière grasse. C'est le genre de travaux qui rendent respectables des scientifiques un peu dingues. Le hic, bien sûr, c'est quand on aborde le goût final qu'il faut donner au produit. Et c'est là qu'interviennent les tests de goût. Si vous pensez que la dégustation du vin est un art, c'est que vous n'avez jamais participé à un de ces tests. Ce premier échantillon est très croquant, et ses miettes. Il y a beaucoup de vanille dedans. Il n'a pas vraiment le goût de ce qu'on fait à la maison. La sensation dans la bouche est comme s'il s'émiettait. Essayons l'autre échantillon. La sensation de bouche est qu'il est bien meilleur. Il est un peu plus humide avec des bouts de chocolat qui sont plus crémeux, avec un goût de chocolat plus prononcé que dans les autres. C'est un goût plus riche que les autres. Je préfère celui-ci au premier. Sur les recommandations de cette jeune femme, ce sera sans doute le cookie totalement artificiel qui sera mis en distribution et se vendra par millions. Comme nous avons pu le voir tout au long de cette série, l'histoire de l'alimentation est une saga pleine d'inventions et de diversité. Depuis 10 000 ans, la nourriture est le reflet de nos identités. La science et le commerce vont-ils mondialiser et standardiser notre alimentation? La réponse est sans doute non, car il y a encore des endroits où l'on ne se débarrassera pas du passé si facilement. Aux Philippines, dans les montagnes isolées de l'extrême nord à 1500 mètres d'altitude, vit le peuple des Ifugao. Leurs rizières en terrasse furent construites il y a 2000 ans. Creusées à la main dans les flancs escarpés de la montagne, elles offrent suffisamment de place pour la culture. Isolées du monde moderne et des nourritures artificielles, les Ifugao offrent encore l'image de ce que nous étions il n'y a pas si longtemps. Ce peuple vénère sa nourriture, car elle a toujours façonné son histoire et sa culture. Elle a fait d'eux ce qu'ils sont, pour eux elle est sacrée. Avant chaque récolte, les prêtres du village doivent d'abord décider du meilleur jour pour commencer les travaux. Après des prières, ils sacrifient des poulets et examinent leurs entrailles pour savoir si les présages sont heureux. Rien n'est sûr. Il peut y avoir des esprits malins, du mauvais temps, une soudaine maladie du riz. Mais les présages sont bons. Toute l'existence des Ifugao se concentre sur le riz. En septembre, ils préparent les terrasses pour les semences. En décembre, ils plantent les semis. Ils s'en occupent constamment. Prient les divinités du riz de protéger les récoltes et font des cérémonies pour chasser les démons qui pourraient détruire leur travail. Ces terrasses sont considérées par beaucoup comme la 8e merveille du monde. Les Ifugao les appellent les escaliers célestes. Chez ce peuple, ce sont les femmes qui font la récolte.
les hommes ne sont pas admis dans les rizières, car on dit que le jeune riz est tellement séduisant que les hommes pourraient le violer. Pour commencer, trois femmes de caste supérieure ramassent les meilleurs plants pour les semences de l'année suivante. Des générations d'expérience transmises les guident et les récoltes sont toujours bonnes. Pendant toute la durée de la moisson, les femmes chantent le Hud Hud, un long poème épique, plein d'amour, de passion, de jalousie, d'esprit malin, de lutte et d'enfants enlevés par les aigles. Le poème peut durer jusqu'à 24 heures. Lorsque les hommes auront ramené le riz, le village tout entier pourra commencer les célébrations. Un cochon engraissé pour l'occasion est sacrifié. Sa viande sera bouillie pour être consommée avec le riz. Il n'y a pas de machine ici, ni de pesticides. Le travail se fait à la main, c'est un travail pénible. Mais les gens des Fugao produisent un des meilleurs riz au monde. Leur alimentation les rend totalement autonomes. Y ajoutant quelques poulets et quelques cochons, ils se nourrissent principalement de riz. Quoi que nous puissions penser de leur superstition, ces gens sont beaucoup plus proches de leur nourriture que nous ne le sommes. Ils sont liés à leur nourriture. Nous en sommes aliénés. La récolte a été très bonne cette année et les villageois se réjouissent en buvant du vin de riz. Cette célébration est aussi un rituel, comme une fête familiale, une fête qui soude la communauté entre elles. Il n'y a rien de romantique chez les Ifugao, leur vie est dure. Jusqu'en 1950, ils étaient encore coupeurs de tête. Mais ils ont su préserver quelque chose de très important, leur lien avec la nature. Les Ifugao nous renvoient cette image de nos propres communautés rurales, lorsque la terre, les saisons et le travail des hommes produisaient des aliments simples que nous allions chercher dans des fermes ou dans des commerces à deux pas de chez nous. L'intervention grandissante de la science et de la technologie sur la nature et notre alimentation semble accompagner le bouleversement actuel de nos modes de vie. Pourtant, partout dans le monde, les traditions gastronomiques vieilles de plusieurs siècles témoignent de notre histoire. L'alimentation, c'est bien plus que le seul fait de se nourrir. Depuis le premier feu de nos lointains ancêtres, le repas n'a jamais cessé d'être un rituel. Il donne à chacun d'entre nous le sens du partage et de l'appartenance à l'humanité.